psaume 51. Nous allons lire quelques versets. We gaan een paar versets lezen. Verset 18. Vers 18. 19. 19. 20 et 21. 20 et 21. Le thème, c'est les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Le thème est l'offrande de God. C'est un cœur brisé. Mais bien aimé, haïr son frère, mais meer dan zijn broeder haten, c'est simplement être meurtrier. Dan ben je gelijk als een moordenaar. Et aussi longtemps que tu es dans la haine, zolang nog in de haat blijft, dans la méchanceté, in de gemeenheid, fais tout ce que tu veux, doe alles wat je wilt, Dieu ne t'écoutera pas. God zal nooit naar je luisteren. Voilà pourquoi mes bien-aimés, daarom mijn medemens, le message que Dieu m'a donné, de boodschap dat God mij gegeven heeft, c'est mettre l'accent sur le péché, is de benadruk op de zonde. Si vous comprenez ce que je vous prêche, als je begrijpt wat ik jou breng, mijn medemens, tu n'as même pas besoin de chercher un prophète. Je hoeft niet eens een profeet te zoeken. Parce que ton cœur pur, want zolang je hart zuiver is, qui est l'ami de Dieu, ben je een vriend van God. Tu es heureux, c'est que le cœur pur. God zegt zelf, degene die ons hart want dan zullen we God zien. Hij zegt nog eens, l'homme considère à ce qui frappe le ciel. Een mens, maar de God kijkt naar de hart. Quand tu as un cœur repentant, mais bien, wanneer je een bekeerde hart hebt, un cœur qui s'est humilié, een hart dat zich van keer van neer, quand tu prêches la parole de Dieu, wanneer je de woord van God aan, c'est tegen mij dat ze praten. Mets tes genoux par terre. Avec humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. De arrogantie dan val je. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église. Ils élèvent leur prière. Ils hebben gebeden gedaan. Ze vasten. Mais Dieu n'accueille pas. Maar God aanvaardt het niet. Parce que leur cœur n'est pas pur. Is niet zuiver. Ils n'ont pas un cœur brisé. Daarom niet een gebroken. Voilà pourquoi aujourd'hui. Daarom vandaag. Nous mettons l'accent. We benadrukken ons. Sur l'état du cœur. Mais ce que Dieu veut. Maar wat God wil. C'est un cœur brisé. Je hebt een verbroken hart. C'est David. C'est David. Après avoir tué Uri. Nadat hij Uri had vermoord. Il a pris sa femme. Hij nam zijn vrouw. Mais pendant ce temps. Maar al die tijden lang. David. Il partait à l'église comme tout le monde. David ging naar de kerk zoals iedereen. Parce qu'il disait. Want hij dacht. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Ik zal al mijn hele leven lang in het huis van de Heer wonen. Mais bien aimé, on peut venir ici. Mais on peut venir ici. On fait loin quelques fois. We kunnen hard on utilise tous les instruments. We kunnen alle instrumenten gebruiken. On utilise la guitare. We kunnen guitare gebruiken. De tambourin. Tout ce que vous voulez. Alles wat jullie al zien. Nous chantons, mes bien-aimés. We kunnen zingen, mes bien-aimés. Avec force. Met kracht. Avec une belle voix. Met mooie stemmen. Mais il faut se poser la question. Wij moeten de vraag stellen. Après tout ce que nous avons fait. Na alles wat we hebben gedaan. Est-ce que Dieu nous a aidés aussi? Heeft God ons gehoord? Est-ce que Dieu a bien notre prière? Heeft God ons gebed aangehoord? Tu peux passer du temps dans les jeûnes. Je denk niet met een vaste. Parce que ce frère ici. Wat is een broeder hier? Il jeûnait aussi. Hij vaste ook. Mais après des années. Maar jaren later. C'est aujourd'hui qu'il a confessé cela. Het is vandaag dat hij dat heeft. Il a compris que. Hij had begrepen dat. Tout le temps qu'il partait à l'église. Alle tijd dat hij naar de kerk ging. C'était pour rien. Dat was verloren tijd. Vous savez à l'époque. Weet je de vroeger. Je dirais à Moïse. Wat zegt hij tegen Mozes? Faites-moi le sanctuaire. Maak voor mij een sanctuaire. Ik zal met jullie wonen. Faites-moi le sanctuaire. Maak voor mij een sanctuaire. En ik zal tussen jullie wonen. Mais comment c'est Dieu? Maar hoe kan dat c'est Dieu qui est saint. Dit is God die heilig. Comment il peut habiter au milieu d'un peuple? Hoe kan dat tussen een peuple qui est pécheur? Een volk dat zo. Un peuple qui est rebelle. Een volk dat zo bij is. Comment c'est Dieu là? Hoe kan dat dat ik zo? Il peut accepter. Dat dan aanvaard. D'habiter parmi ce peuple. Tussen die wonen. Un peuple méchant. Een gemeente. D'habiter parmi ce peuple. Dat ze die volk te wonen. À une seule condition. Op één voorwaarde. Qu'il y ait le sacrifice. Dat de offering is. C'était quoi le sacrifice? Wat was de offering? C'est que ce peuple était pécheur. Deze volk was zondaar. Pour que Dieu t'agrée. Doordat God je aanvaardt. À cause de péché. Door je zondes. Tu dois amener une brebis. Moet je een schaap meebrengen. Un animal. Een dier. Que toi tu vas tuer. Dat jij zal vermoorden. Quand tu tues l'animal. Wanneer je die beest vermoord. Quand Dieu voit le sang. Wanneer God het bloed ziet. À cause de ce sang-là, bloed, Dieu pardonne tes péchés. Zal God je zonde vergeven. Et leur vie était rythmée comme ça. En hun leven was zo. Dieu ne peut pas t'agréer. God kan je niet aanvaren. Si tu n'amènes pas une brebis pour un sacrifice. Als ik geen dier breng als offering. Leur vie était conditionnée comme ça. Hun leven was zo bestemd. Ça veut dire que les sacrifices. De offering. Avaient pris une place centrale. Hadden een centrale plaats. Sans les sacrifices. Zonder offering. Dieu ne peut pas t'agréer. Kan God je niet behagen.
C'était le seul moyen. Dat was de enige manier. Où Dieu pouvait pardonner le péché. Waar God de zonde kon vergeven. À cause du sang de l'animal. Door het bloed van een beest. Quand il voit le sang de l'animal. Wanneer hij het bloed van een beest ziet. Dieu comprend. God begrijpt. L'animal a pris ta place. Le dier heeft je plaats genomen. C'est toi qui allais mourir. Jij zal allemaal sterven. Et Dieu te pardonne. Maar God vergeet. Comme je vais te le dire, quand il tombe dans un péché, il va aller chercher une brebis, une chèvre, pour amener ça où? Dans le tabernacle. Mais maintenant, quand il a ces chèvres-là, parce que les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert. Et dans ce désert-là, il y avait des tentes par-ci, par-là. Maar wat was het probleem? Les gens qui vont avec une chef. De mensen zien jou met een schaap. Ze zeggen dat je naar de kerk gaat. Ze zeggen dat je naar de kerk gaat. Om de zonde te beletten. C'est ce que les gens voient de l'extérieur. Dat is wat de mensen van buiten zien. Mais est-ce que la confession que toi tu vas le faire? Maar die beleid wat jij gaat doen. Cette confession est-ce qu'elle est sincère? Die bekering is het werkelijk. Tous les voisins. Alle buren. Quand ils te voient avec la Bible. Wanneer ze jou met de Bijbel zien. Ils se disent ah. Cette personne est allée prier. Deze persoon gaat bidden. Il est allé chercher Dieu. C'est ce que les gens voient. Mais les gens ne voient pas ton cœur. L'intention de ton cœur. Tu vas venir ici à l'église. Tu vas confesser le péché. Est-ce que cette confession est sincère? Voilà pourquoi je disais le matin. Nous trompons les gens qui nous voient venir à l'église. Tu trompes les gens dans ta maison. Que tu viens prier. Mais ta prière, peut-être que Dieu ne va pas prier ça. Parce que ton cœur n'est pas pur. Parce que ton cœur n'est pas sincère. Tu viens à l'église ici. Tu trompes tes soeurs. Tu trompes tes frères. Parce qu'on te voit là en train de prier. Mais on ne voit pas la profondeur de ton cœur. Mais bien aimé, tu peux cacher les hommes. Tu peux tromper les hommes. Tu peux tromper ton pasteur. Dieu ne trompe pas. Parce que c'est ce que Dieu voit. Il voit l'intention de ton cœur. Est-ce que ton adoration que tu as fait, la louange que tu as fait ici, est-ce que tu as agréé ça? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est brisé? Alors, quand tu as ta chèvre, tu vas traverser. Tous les corps. Tu arrives à la porte. Je kom bij de deur. Tu vas trouver un souverain sacrificateur. Je gaat een hoge priester vinden. C'est celui qui va t'aider. Hij zal je helpen. À faire ces sacrifices. Om deze offering te doen. Tu as trompé. Je hebt gelogen. Les gens dans ton quartier. De mensen in jouw straat. Tu as trompé ta femme. Je hebt bevrogen. Voilà que tu arrives à l'église. Je kom naar de kerk. À la porte aussi tu bij de deur. Lig je ook je voorganger. Parce que les personnes voient que tu as la Bible. Want de voorganger ziet dat je een Bijbel hebt. Les personnes voient que tu pries. De voorganger ziet dat je bent. Moi je te fais confiance. Ik vertrouw je. Mais je ne vois pas ton cœur. Ik ken je hart niet. C'est que qu'est-ce que le sacrificateur va dire? Wat zal de hoogpriester zeggen? Entre. Kom. Découper la tête. Om de la chèvre. Om de schaap te prendre le sang. En de bloed te nemen. De verser sur l'autel. Les sacrificateurs, ils coupent l'animal, ils prennent le sang, ils versent sur l'autel. Quand ils finissent de verser le sang là, puisque le sacrifice est fait, il est dans l'obligation de libérer les paroles. C'est quoi cette parole là? De te bénir. Om te zegenen. Quand le sacrifice est fini, wanneer de offering voorbij is, il se lève, est daar op, il te voit, hij ziet jou, il dit que le Seigneur t'a agréé. Dieu a agréé ta prière. Dieu a agréé ton sacrifice. Dieu a agréé ton sacrifice. Mais bien aimé, un pasteur, un voorganger, il peut libérer une parole de bénédiction. Mais il ne faut pas ton cœur. Si ton cœur n'est pas pur, cette parole n'aura pas de fait. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Donc Dieu n'a pas le droit de griller ce que toi tu fais. Les prophètes peuvent dire que oui, tu as la bénédiction. Si ton cœur n'est pas pur, mais si ton hart niet zuiver is. Il n'y aura pas d'impact dans ta vie. Zal er geen impact zijn in je leven? Et c'est comme ça que les gens, en dat is zo dat mensen, ils changent des églises à église. Van kerk naar kerk. Ils ont besoin d'aller raconter les prophètes. Ze willen profeten tegemoet komen. Que le prophète de profeten libère une parole. Een woord verklaren.
Mais le prophète va libérer le pied. Le prophète va le voir vous clair voor je ogen. Si ton cœur le papier. Maar als je hart niet zuiver is. Cette parole n'aura pas d'effet dans ta vie. Deze woord zal geen effect. Voilà pourquoi Dieu les autres enfants d'Israël. Daarom begon een kerk van Israël. Je n'agrée pas vos sacrifices. Ik aanvaard je op. En pourtant c'est lui-même qui a dit à ses peuples. Hij zit in die volheid. Faites-moi des sacrifices. Maak voor mij offeringen. Offre-moi des holocaustes. Offre mij dieren. Mais c'est même Dieu l'a dit. Maar dit is hetzelfde God zegt. Je n'agrée pas ce que vous faites. Ik aanvaard wat jullie doen. Après avoir fait un sacrifice. Nadat we die offering hebben gedaan. Dieu regarde. God kijkt. Il dit non, ça je n'ai pas agréé. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Tu ne prends pas plaisir au holocauste. Les sacrifices sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé, un cœur brisé. Vous voyez que c'était l'apparence. Mais Dieu voit le cœur. Il dit gardez ton cœur. Behalve toute autre chose. Gardez-lui. Viens les sources de la vie. Pour qu'un homme soit béni. C'est d'abord à partir de son cœur. Quand ton cœur pue. Quand on dit un cœur brisé. C'est un cœur qui est repentant. Un cœur qui sait se repentir. C'est un cœur qui est obéissant. On dit que l'obéissant. De gehoorzaam is beter dan een offer. C'est un cœur qui sait obéir à la parole de l'Éternel. C'est un cœur qui a reçu la parole de Dieu. Qui a dit Seigneur, s'il te plaît, gagne-moi, change-moi, brise-moi, modèle-moi. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux que quand je prie, je prie comme toi. Je veux que quand je chante, la parole est partie. Cette personne ne peut jamais espérer en l'Éternel. Et le deuxième terrain, c'est un terrain là où il y a des épines. Quand la parole de Dieu tourne, quand la semence de Dieu tourne, cette parole est étouffée à cause des soucis de ce monde. Troisième terrain, c'est un terrain pierreux. Même si tu dis, après avoir prié, Dieu lui dit que toi, ce que tu as fait là, je n'ai pas prié ça. Oui, mais le quatrième terrain, celui qui ressemble au cœur brisé, celui qui ressemble au cœur repentant, celui qui ressemble au cœur obéissant, c'est le quatrième terrain, là où la semence tombe. Et cette semence produit le fruit. C'est que est semblable au cœur brisé. Quand quelqu'un a un cœur comme ça, mais bien aimé, tu n'as pas besoin d'aller chercher le prophète. Parce qu'un cœur comme ça, c'est un cœur qui est ami de Dieu. Amen. Nous avons un Dieu que nous appelons Jéhovah Jireh. Quand tu as un cœur comme ça, Dieu va faire quoi? Dieu va répandre sa bénédiction.
Mes bien-aimés, est-ce que tu as un cœur brisé? Est-ce que tu as un cœur repentant? Est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que tu as un cœur gentil? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un bon amen. Un amen avec ma foute à donnez-moi un bon amen. La personne se dévoile. Laissez la parole faire son travail. Il y a une puissance dans la parole. La parole libère. La parole libère, mes bien-aimés. La parole sauve. La parole est guérie. La parole est guérie. La parole est sauve. La parole amène à la lumière. Parce que notre Dieu est lumière. Si nous voulons être en communion avec lui, nous devons aussi être dans la lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il est tellement saint. Quand la parole vient, mes bien-aimés, ça dévoile ce qui était caché là-dedans. Mais bien aimé, David prend la forme de truie. David n'aime pas vraiment anders. Maintenant, ces secrets-là n'étaient qu'à l'air d'eux-là. Personne ne le savait. Maintenant, voilà ce que Dieu va faire. Il met les genoux par terre. Il commence à pleurer. Je dis, mais Seigneur, cette femme, elle fait quoi? Dans son ventre. Avec l'enfant d'une autre personne. Mais entre-temps, elle perd son mari. Oh, my God! Est-ce que vous rendez compte? Quelqu'un qui a son maman ici à côté, là. Il m'a dit que c'est une vraie pierre. L'enfant qu'elle porte. De quel a-t-il traité? L'enfant de son maman. De quel m'a dit? Mais en tout cas, elle met les genoux par terre, elle pleure. Parce que dans cette affaire, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Il y a Uri. C'est celui qui est le Christ. Mais bien aimé. Qui a tué Christ? Où est venu ton amant? Qui est ton amant? C'est David. David est représenté par Satan. Voilà. Dans ton ventre, je vois le péché. Je vois le mal. Je vois la méchanceté. Mais donc, oui, c'est qui enceinte? Tu vas accoucher. Écoutez-moi. Tu vas accoucher à la méchanceté. Cette méchanceté là, va te tuer. Faut qu'ils aillent pour mourir. Voilà comment Dieu m'était là. Zozo petit là. Et je veux que David. Le comme la dame. Oui, tu sais que j'étais. Beter le ton hau. C'est comme ça que tu fais avec le diable. Là, tu m'as fait faire tout. Ton amant est dans ton ventre. And in your belly. Tu as un enfant que tu appelles péché chéri. Ah ben, le zozo tu es. C'est ce que Jésus explique. C'est quoi? Il est. Dans le livre d'Osée. Elle bouffe Osée. Osée avait épousé une femme. Osée est une femme. Cette femme-là va quitter Osée. D'autres hommes. Et ces hommes, on les appelait des amants. Et ces hommes, on les appelait des amants. En d'autres termes, David voulait dire que ta justice soit faite. Que ta justice soit faite. J'ai mis la question aujourd'hui. Toi, tu n'es pas de la justice de Dieu. Est-ce que ton cœur a pu? Est-ce que ton cœur a pu? Est-ce que ton cœur a pu? Est-ce que ton cœur doit? Mais bien aimé, ça n'est pas mon fait. Mais devant cette injustice, nous en avons besoin.
Est-ce que tu es pu? Est-ce que tu sais supporter cette injustice? Vous savez, les enfants d'Aaron. Weet je de kinderen van Aaron? Quand ils se sont hasardés. Toen ze speelden. D'entrer dans les temples. Toen ze naar de tempel gingen. Avec un autre feu. Met een vreemde le vuur. Le feu étranger. Een vreemde vuur. Qu'est-ce qui s'est passé? Wat was er gebeurd? C'était la justice de Dieu. Mais bien aimé. Mais bien aimé. C'est la justice de Dieu. Moi je dis aux gens. Et c'est si quelqu'un est sorcier, laissez-le. Laissez-le venir à l'église. Laissez-le de kerk komen. Laissez-le venir. Laat hem komen. Laissez-le prier. Laat hem bidden. Ce n'est pas notre problème. C'est notre problème. Parce qu'en priant, on est bidden, il va toujours demander cette justice de Dieu. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Quand cette justice descend, c'est Dieu. Si tu es sorcier, cette justice n'épargne pas les sorciers. Dat bespaart geen heks. Laissez les sorciers faire son travail. Laat de heksen werken. Laissez-les faire son travail. God zal komen. Avec son feu. Met zijn vuur. S'il trouve quelqu'un ici. Als er iemand vindt die in de hekserij is. En hij ose. En hij durft. Deze rechtvaardigheid aan te roepen. C'est ce que David a essayé d'expérimenter. Il a dit que ta justice soit faite. Hij zegt dat de rechtvaardigheid van God is gekomen. Frère. Broeder. Et puis Nzambe Ekiti. De rechtvaardigheid van God is gekomen. Nzambe Azu est peine allié. Regardez-moi bien. Wat Nathan zwaar. Tu as pris son épée. Oh, Nathan zwaar. Toi, tu demandais la justice. Je hebt de rechtvaardigheid gevraagd. Dieu va fier le cœur de David. God zal de hart van David ontmoeten. Il trouve qu'il avait tué. Hij zit dan even vermoord. Il n'avait pas David. Hij zei, jij David. J'envoie du sang dans tes mains. Ik zie bloed in je handen. Mais pourquoi tu demandes ma justice? Nathan vraagt met je rechtvaardigheid. Nathan lui a dit, Nathan zei tegen hem, cet homme-là c'est toi. Deze man ben jij. Puisque tu appelles la justice de Dieu. Omdat ik de rechtvaardigheid van God heb geroepen. Toi-même tu vas subir. Jij zal ervan lijken. Laissez les sorciers venir. Laat de heksen komen. Waarom maak je zorgen? Ik heb er geen tijd voor. Je sais qu'il y a une justice de Dieu. Ik weet dat de rechtvaardigheid is. Tout temps va se manifester. Vroeg of laat het van je laten zien. Amen. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Cette justice-là. Deze rechtvaardigheid. Dieu peut libérer les animaux pour te manger. God kan beesten opsturen zodat je hem opeten. La justice de Dieu. De rechtvaardigheid. Il y avait des enfants. Er waren kinderen. Pendant qu'Élisée passait. Terwijl Élisée had. Élisée. N'avait pas les cheveux. Was kaal en vroeg. Quand quelqu'un n'a pas de cheveux, faut pas se moquer de lui. C'est ça la justice de Dieu. Toi qui vis dans le péché, réponds-toi. Toi qui vis dans la débauche, réponds-toi. Toi qui es un cœur méchant, réponds-toi. Toi qui es meurtrier, réponds-toi. Tôt ou tard, cette justice va se manifester. Dans ta maison, Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, il a déposé son épée. Le peuple brise. De zwaard van nietigheid. Toi qui vis dans la stérilité. Toi qui n'as pas d'enfant. Onvruchtbaar. Parce qu'il y a un problème. Notre Dieu. Onze God. Lui est juste. Dans ta vie. Dans ta famille. Il a déposé une paix. Chaque fois. Quand l'enfant vient dans ton temple. Mais paix et que c'est l'air. Ce zwaard van de Heer staat op. Qui peut combattre avec cette paix-là? Wie kan strijden tegen ce zwaard? Si c'est dans l'importance. Want David had zich verborgen. Ja, in de jour que ce soit brûlé. Er waren dagen op één. Laissez les sorciers dansen. Laat de heksen dansen. Laat ze dansen. Est-ce que David n'est pas dans l'église? Ging David niet naar de kerk? Si, il partait. Jij ging. Dans quel état? En waar het status? Dans un état de péché. En de status van de zonde. Et il s'est camouflé. En hij verbergde zich. Les gens pouvaient dire, ah, mais dans cette église, Dieu n'agit pas. De mensen kunnen zeggen, in deze kerk, God werkt niet. Nee. Je comprends votre point de souffrance. Ik ken je lijdenis, ik ken je problemen. David a eu le temps ici, il s'est moqué de Dieu. David lachte God uit. Il a pris une femme. Il a une femme. Donc lui. Van iemand anders. Il est devenu sa femme. En hij is zijn vrouw, zijn vrouw geworden. Quand David a vu cela. Toen David dat zag.
C'est quoi la force de la repentance? What the kraft van de bekering? C'est d'abord de stopper la mort. Het is eerst het dood te Donter les biens de Dieu dans notre maison. De zwaar van God weg. Parce que le bien est là. What is what is it? C'est ça la force de la repentance. Dat is de kraft van de bekering. On est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Hey, de Bijbel zegt, hij is een man van God. Il est un homme. Hij is een man. Quand il commet un péché. Automatiquement. Il est aussi capable. Hij was ook bekwaam. Et c'est repentir. Om zich te bekeren. À l'église, on ne voit pas les gens comme ça. On ne voit pas. Verset 5. J'ai été fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi ton pied te prie au temps convenable, si les larmes sont débordées, elles n'atteindront nullement. David! David! Quand il a réalisé cela, toen hij realiseerde, mais bien aimé, mais c'est là où j'ai compris que le salut est individuel. Toen had ik begrepen dat de redding individueel. Il a même cherché Bathsheba. Hij had Bathsheba niet gezocht. Lui-même! Hij zelf! Il a dit, hey! Je vais mettre de côté ma royauté. Ik zal mijn koninkrijk aan de kant zetten. Je suis roi. Ik ben koning. Mais je vais m'humilier. Ik zal me van je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. Ik zal tegen iemand zeggen. Humilie-toi! Ja, buigje! Humilie-toi! L'humilité procède à quoi? L'orgueil précède la chute. David a dit, hé! David, c'est hé! Je ne suis plus roi. Ik ben geen koning meer. C'est question de vie ou de mort. Dit is kwestie van leven of de dood. Je vais m'humilier. Ik zal me neerbuigen. Et demander pardon à l'Éternel. En vergevingsvragen aan de Heer. Mais bien aimé. Mais bien aimé. La repentance. De bekering. D'abord. Ten eerste. Il dit que Dieu a effacé la peine de mon péché. C'est que David voulait mourir. Mais Dieu lui a préservé la vie. Il a dit non, toi tu ne mourras pas. Mais l'enfant qui naîtra de Bathsheba. Cet enfant là va mourir. Non seulement il va mourir. Je vais te prendre quatre enfants. Toi je vais te préserver la vie. Je vois la mort. Ik zie de dood. Je vois la souffrance. Ik zie de lijdenis. Mais bien aimé, le seul moyen. Où nous pouvons arrêter la mort. Où nous pouvons arrêter la mort, la souffrance. Ce n'est que par la repentance, bien aimé. Une repentance sincère. Là où Dieu va t'agréer. Mais bien aimé, quand Dieu va t'agréer. Tu peux te dire. Si Dieu est pour moi. À cause de quoi? De la repentance. Amen. La deuxième chose. Pourquoi la repentance? Parce que dans ta vie, il y a des réclamations. Dis à ton prochain. Les sorciers te réclament. Tu vois cette année-là ici. Tu n'allais pas arriver. Je zou niet komen. À cause des réclamations. Door de terugvraag. Tu étais dans leur liste. Je stond in de lijst. Il te réclamait tous les jours. De vragen je op iedere dag. Tu étais leur établi. Je was een eten. Mais Jésus a dit non. Maar je zei nee. Mon sang. Mijn bloed. Pourquoi mes medemens? Waarom mijn medemens? Parce que la vie de David. Want het leven van David. A été réclamé par le sang du riz. Oh mes medemens. Moi j'aime le sang de Jésus. J'aime le sang de Jésus. Parce que le sang de David n'était pas capable de contrecarrer cette réclamation-là. On a besoin de notre vie. Il y a besoin que le sang de Jésus parle. C'est un avocat suprême. Un sorcier ne veut pas te manger. Une chose à faire. Un sorcier me réclame. Mais pour te manger, c'est possible. Parce que le sang de Jésus. Alléluia! Amen. C'est le sang qui dit pour toi tous les jours! Le sang de Jésus! Le sang qui dit pour toi que le sang d'Abel! Même si le sang se dit, il va mourir! Le sang de Jésus va mourir dans le sang! Le sang de Jésus. Oui, c'est lui qui va mourir. C'est exactement ça. Parce qu'en ce moment-là, nous allons commander à l'épée de l'Éternel.
prière. Amen. Le peu de l'éternel. De toi prière. Va couper la tête. De all of the Jésus. Merci Seigneur. Merci à cause de la repentance. Parce que nous avons l'occasion au sang de Jésus de parler. Qui savait que le sang là a une bouche? Qui savait que le sang là a crié? Si ce n'est par la parole, la repentance nous donne. Quand nous repentons, le sang de Jésus s'élève. Et commence. À voir qu'est-ce qu'il y a comme réclamation dans ta vie. Amen. Kijk wat, waarom wordt het teruggeroepen. Et commence à tout détruire. Amen. 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 À cause de quoi? Door wat? De la repentance. Door de bekering. Mais bien aimé, quand tu pars chez un docteur. Mais bien aimé, quand tu pars chez un docteur. Pour une guérison. Pour genezen. On te demande beaucoup d'argent. De vraag je heel veel geld. On te demande beaucoup de choses. De vraag je heel veel dingen. Il y a des gens même, ils n'ont rien. Als er mensen daar niks hebben. Ils peuvent pas aller chez le médecin. Ze kunnen niet naar de dokter gaan. Mais nous avons des choses gratuites. Maar we hebben dingen gratis. C'est seulement de confesser le nom de Jésus. Je moet alleen maar de naam van Jezus roepen. De l'inviter dans sa vie. Je hem roepen in je leven. Et de laisser la place au sang de Jésus. En de plaats geven aan het bloed van Jezus. Et le sang commence à crier pour toi. En deze bloed zal voor jou schreeuwen. Aussi longtemps que les sorciers vont crier. Zolang het de heks zullen schreeuwen. Ils vont réclamer ta vie. Zul je leven terugmaken. Le sang de Jésus sera aussi dans. Maar de bloed van Jezus zal er altijd zijn. Ils vont se crier. Hij zal ook schreeuwen. Pour contrecarrer. Om dat tegen te houden. Les réclamations. Om een roeping tegen te houden. Que Dieu vous bénisse. Dat de Heer u zegent. Votre serviteur, Philippe Cadine.